Alors comme ça, il paraît que vous avez aidé Chloé à confectionner une couronne de fleurs. Je suis sûr que Will et Clara vous en seraient très reconnaissants s'ils étaient encore là. Ah, pardon, je vous ai pas dit. Will, c'est mon fils. Et Clara, c'est sa femme. Billy et Chloé sont leurs enfants. C'est facile à retenir, non? Bref, depuis que Will et Clara sont partis, c'est à moi de m'occuper des deux petits. Par conséquent, c'est pas demain la veille que je pourrai prendre ma retraite. Oh.
Cloud, regardez autour de vous. N'y aurait-il pas des minéraux qui scintillent? Il s'agit de pierres guides, et comme leur nom l'indique, elles servent à guider les voyageurs jusqu'à l'hôtel d'un esper. En les brisant, on libère un faisceau de lumière qui pointe dans la direction de l'hôtel. N'hésitez pas à les fracasser, elles sont là pour ça. Suivre le faisceau de lumière des pierres guides permet donc de découvrir l'hôtel de l'un des légendaires espers. Au cœur de celui-ci doit reposer un cristal géant renfermant le savoir et la connaissance de l'esper correspondant. Trouvez ces hôtels et analysez ces cristaux afin de me permettre d'accroître la puissance de vos matérias d'invocation. Incroyable! Ne trouvez-vous pas ce cristal prodigieux? C'est la première fois que j'en vois un de cette taille! Dire que la sagesse d'un esper sommeille à l'intérieur. Vite, Cloud! Utilisez votre terminal pour lancer une analyse. Vous devez vous synchroniser avec le cristal afin d'extraire correctement les données de l'esper. Bonne chance à vous!
À proximité. Je compte sur vous pour chercher minutieusement ce qui pourrait y correspondre.
Attention tout le monde, soyez prêts au combat. J'ai identifié une espèce rare d'éléphant d'œuf. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Grâce à son tempérament docile, l'espèce commune d'éléphant d'œuf avait été domestiquée il y a longtemps. Il côtoyait et aidait les humains aux travaux des champs ou au transport, parfois même à la guerre. Cette espèce rare possède une peau aux couleurs originales et des défenses qui étaient très recherchées pour la confection d'objets d'art. Cependant, leur élevage demandait du temps et de gros efforts. C'est pourquoi les éléphadunks ont fini par être supplantés par les chocobos dans ces rôles. De nos jours, les éléphadunks domestiqués sont redevenus sauvages et on les trouve uniquement dans ces prairies. On dit que cette population devient de plus en plus agressive. Nous devons donc les étudier afin d'éviter qu'ils ne deviennent vraiment dangereux pour l'écosystème et les voyageurs. Let's go!
sur toi. Ok, c'est parti. Recherchez sur la prochaine.